Bonjour Petit tutoriel casio qui va te permettre d'apprendre à calculer une probabilité avec la calculatrice et ceci dans le cadre de la loi binomiale. Alors euh, ici donc tu as une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres n égale à 50 et p égale 0,3. Donc bon avec n égale à 50, hein, répétition de 50 épreuves de Bernoulli, on voit qu'il est mission impossible de résoudre le problème sur le papier avec un arbre pondéré. P égale 0,3, ce qui veut dire que la probabilité d'un succès dans l'épreuve est de 0,3. On voudrait donc calculer dans un premier temps P de x égale à 20, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 20 succès. Donc euh, pour cela, bien, on va dans le premier menu, hein, celui euh, du menu Calcul, donc on y va, voilà. Et donc euh, on va aller dans Options, puis euh, Stats. Et euh, ensuite dist, donc il faut bien suivre, il hein, faudra t'en souvenir. Voilà, euh, là maintenant tu arrives, tu as binomial, la loi binomiale est ici en F5. Alors on a euh, deux possibilités ici pour la loi binomiale, euh, celle qui s'appelle BPD et celle qui s'appelle BCD. Bon, c'est des abréviations qui viennent de l'anglais, donc je ne détaille pas. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le C ici vient de cumulative, donc de cumuler, et on voit bien qu'on sera dans le cadre d'un cumul pour la question B, où on voudra calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à 15, c'est-à-dire X égale 1, X égale 2, X égale 3, etc., jusqu'à 15. Donc, le BCD, ça sera pour la question B. Donc bien évidemment, par élimination, le BPD, c'est pour cette question. On y va. Voilà. Alors, euh, ce n'est pas encore fini, euh, pas facile sur Casio pour, euh, pour utiliser cette fonctionnalité. Euh, maintenant, il vaut, faudra saisir tous les paramètres, et il faut saisir ces paramètres dans le bon ordre. Bien. Alors, le premier des paramètres qu'il faut saisir, eh bien, c'est la valeur prise par x, soit 20. Virgule. Le deuxième paramètre, alors là, ensuite, c'est n. Donc, les paramètres de la loi binomiale. 50, virgule, et le troisième, eh bien, c'est 0,3. Voilà. On ferme, exé, et on a la réponse. Eh bien, voilà, la probabilité que x soit égale à 20, la probabilité d'avoir 20 succès, est de 0,037, soit environ 4%. Passons à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, tu l'as compris. Maintenant, c'est euh, la binomiale cumulée, B, C, D, donc F2. Eh bien, on va saisir de la même manière et dans le même ordre, cette fois-ci, euh, que le précédent. Hein. Donc, d'abord euh, pour X, 15, donc le seuil, virgule. Les paramètres de la loi, 50, virgule. Et 0,3. On ferme la parenthèse, exécution. Et voilà! Eh bien, cette fois-ci, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 15 est de 0,57 environ, euh, soit 57%. Voilà, eh bien, cette séquence est terminée.